Jack, parle-moi comme une de tes françaises. Mets-toi nu, Rose. I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. Il est 8h30, Alix. Ouais, allô? Ouais, dis-moi du coup, s'il te plaît. Alix part en vacances là, sauf qu'il a oublié ses pellicules hier. Et hier soir, j'étais dans un mood. Allez, ce matin, on dort. Ouais, c'est une blague, je prends moi un café. Je vois, tu mets ta tasse dans la main. Ah, mais tu sais, moi je croyais qu'il fallait que je le dépose en bas. J'ai cru que c'était genre. Oh. Ah, c'est bien si tu restes un petit peu. En fait, je voulais passer au service pour traîner un réfugiage sans eau et tout. Mais je me suis dit, elle n'avait pas de service, elle doit être chez elle. Je veux des chiens, Alix. Bon, je te laisse là, mon petit chat. C'est le seul à prendre son train. Jules a raté son train, frère. Putain. Toi, dépêche aussi, tu vas le rater là. Vas-y, bisous. Bisous, Alix. Je peux pas vous expliquer comment je me suis retrouvée à la gare de Lyon en pyjama. C'était pas du tout prévu. Il m'emmenait à l'autre bout de chez WAM. Mais Alix, son charme a fait que je me fais une balade. Salut! Je sais même pas comment je vais rentrer chez moi là. Je pense que je vais me prendre un vélo. J'arrive chez moi. Je sais pas qu'elle était déjà là celle-là. J'ai plus le temps là moi. Salut les gars! J'ai même pas fait salut les gars. Ah là là, cette vidéo elle va être hantée. Si je fais une vidéo et que je dis pas salut les gars, not good. Ah, j'ai maquillé aujourd'hui, c'est bon, j'en ai marre d'être moche dans mes vlogs. Ça me saoule. Vous méritez un petit peu d'avoir un truc sympa à regarder. Il y a une marque qui m'a envoyé un produit pour le teint. Pas sûr qu'on soit sur la bonne teinte. Je crois que c'est même pas ma teinte le 25 décembre, genre sous la neige. J'ai l'ensemble que je portais hier soir. Avec un haut que j'avais trouvé en Free à Los Angeles, Shadows. Et je me suis maquillée parce que je dois faire un post-concours pour NocivB. Regardez, il y a tout ça à gagner. Ta-da! Photo Instagram faite. J'ai mis un jean et on va aller rendre le van. Cette histoire de van. Ah là 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 là. Moi, je voulais vous dire un grand merci parce que tous les messages bienveillants hyper cool que j'ai reçus. Parce que moi, pour être honnête, le vlog, je voulais pas le poster de base. J'étais en mode un peu... la honte. Il faut pas avoir honte quand tu fais de l'anxiété et des crises d'angoisse parce que moi je fais de l'angoisse et après je suis angoissée de dire que je fais des crises d'angoisse parce que j'ai l'impression qu'on va dire que c'est ridicule et donc ça me crée encore plus d'angoisse. C'est un cercle vicieux ce bail. Pour un élastique à côté de mon lit. Et moi ouais, cette sorte de vanne, on a un petit goût dans la gorge avec Solène parce que la peur, l'angoisse, ça te crée une certaine frustration et ça te bloque sur certaines choses. Sauf que c'était vraiment notre rêve de petite fille de faire ce truc avec ce combi Volkswagen vintage bleu. Cependant, on sait qu'on ne voudra pas faire de road trip dans cette voiture. Mais on ne veut pas avoir une expérience négative de cette voiture. On ne veut pas rester sur une sale note. Donc on va aller se balader un petit peu dans la voiture. Et après on va la rendre au propriétaire. Le sac. Lunettes de soleil. Et c'est parti. Je vais mettre ma petite Apple Watch. Je vous promets que je pensais pas du tout un jour kiffer ça. En vrai, je l'utilise surtout pour le GPS. Tu sais, t'as pas le droit d'avoir tes écouteurs sur les trottinettes. J'ai pas mis toutes mes notifications parce que je deviens zinzine si tout sonnait tout le temps. Mais genre, j'ai tous les plus importants. Et il y a un truc qui est trop cool avec l'Apple Watch. Ça sent ton cœur. Et quand je fais de l'angoisse, il m'envoie une notification avec un exercice pour respirer. Et il me dit aussi sinon quand j'ai passé bouger et tout. Voilà, j'ai pris rose et j'ai une petite coque rose qui vient de chez Rhino Shield
Parce que chez Rhinoshield, ils ont aussi les coques de téléphone, bien évidemment. Moi, j'ai la mienne aussi personnalisée. D'ailleurs, venez, je la change. Ça fait une semaine que j'ai la même. Ils ont les coques pour les AirPods. Solène aussi, elle en a une, jaune. Tu peux aussi les personnaliser et mettre tes initiales dessus. Le bracelet. Et moi, j'ai l'iPhone 11 Pro X S Max. Là, le... J'arrive plus à suivre, il y en a trop. Rhinoshield sont réputés pour leurs coques incassables. Pas la coque qui se casse pas, c'est ton téléphone qui se casse pas quand tu mets une coque Rhinoshield. Je vais mettre une Chroma qui est leur marque plus lifestyle. T'as ça, c'est genre le cadre de ton téléphone. Au début j'étais hyper confuse, hein. Comme ça. Et ils ont plein de collabs avec des artistes. Là j'ai mis des milkshakes parce que... simple, efficace. Comme Rhinoshield et Chroma sont les sponsors officiels des vlogs d'août, avec la cabine téléphonique, vous avez moins 10% sur les deux sites, Rhinoshield et Chroma, avec le code LENA. Tout le site, l'intégralité. Bon, tu te sens comment? Ça va, deux jours c'est moins stressant. Allez, il faut jamais rester sur un échec. Coming in quick, a little low in time. Gonna catch you just right. Pull you up to outer space. Wasn't that a good day? Red guitar, purple haze. Stick love in the ball was all you needed. How are you doing? Sing me back, mama. Sing me back. Cause I'd give it all. Ouais. Regarde où on est. On s'est posé pile en face de la Tour Eiffel. T'es contente de ta petite balade parisienne? Oui, c'est beaucoup plus sympa que La Rochelle. Enfin, que le trajet pour La Rochelle. Oui. C'est bon, on a rendu le van au propriétaire qui était hyper sympa, hyper compréhensif. On n'a pas pu se faire rembourser par rapport à l'application, sur laquelle on a blablabla. Ouais, elle est là-bas derrière nous, mais cette petite balade là, franchement ça nous a fait du bien. On s'est dit au moins on a fini sur une note vraiment positive. Ah ouais. Et on a réussi à remonter dans le van après l'angoisse. Ça peut paraître hyper ridicule, je sais pas comment tu regardes ce vlog en mode chelou elle, mais... moi ça m'a fait un petit non, on va essayer de trouver un endroit où manger. On va voir où la journée nous mène, hein. Mais elle a bien commencé en tout cas. C'est trop belle. Tu t'es acheté une petite jupe. En fait j'avais un pantalon de merde et Sully m'a dit viens on t'achète un autre fit parce que ton fit il est trop moche. Et j'ai trouvé une jupe qui allait trop bien avec mon gros. Oh pardon madame. Désolée. Et donc du coup j'ai trouvé cette jupe et je me suis dit t'es quoi, porte une jupe, tu t'en mais fous. Je te jure. Mais cool hein. T'es beau toi aussi putain. Tu vas bien Solène? Tu vas bien, tu peux. Ah ouais. Super. Sullivan, t'as vraiment fait le meilleur glow up de... De l'histoire. Hein. Putain j'aime beaucoup comment t'habiller. Hashtag petit crush sur Sully. Ouais, toujours hein. Arrêtez de monter derrière votre ordinateur, je sais qu'on l'a tous eu. Vous même. Mon petit panda au cœur. Je m'en mords les doigts à travers mon masque. Bon alors je vous explique le gig. Mais en fait avec Solène et Maya, il y a deux jours on a acheté des toiles, de la peinture, des trucs de peintre pour faire un battle et genre moi je pose comme dans Titanic. Nu? Mais oui. Assise et nue. Les françaises. Comme quoi. Les françaises. Enfin moi comme bien une était française. Exactement. Et celle qui fait la meilleure peinture elle a gagné. Je suis chaud. Ah mais moi je peux pas. Je dois récupérer mon canapé à 18h. C'est un chassis. Ouais, c'est un châssis. C'est de la bonne crème, ça. J'adore, moi je veux jouer. Ok, bah je te prends ça. Et les palettes? Petite palette, ou d'adulte. Je vais vous tuer, hein. Tiens, Bilal. Vu que la chanson suffit pas, m'acheter le bouquin. Streamer Dead Bay de Bilal Hassan. Et puis voilà, le livre il est fini, pas besoin de l'acheter. On repose.
Miel pop, ça fait zou zou zou. Zou zou zou. Maya l'abeille. Comment ça va, Léna Mahfouf? J'ai pas mon pantalon. T'as acheté où? T'as acheté une jupe qui n'était pas sur mon pantalon. Ouais, le pantalon il n'allait pas avec mon haut, donc j'ai acheté une jupe qui allait avec mon haut. Mais tu sais que j'ai cru que c'était ma jupe, j'ai la même. Ouais, ça... hein? J'ai la même, c'est pour ça que j'ai dit c'est ma jupe. Non. Complet. Ouais. Tu vois. Moi je suis très genre full artiste. Ouais. Moi j'ai fait un an de l'école de dessin. C'est que j'avais deux sur 20 en art plastique. Mais tu sais, c'est la mentalité fake it till you make it. Tu mens jusqu'à ce qu'à la fin en fait ça soit trop. Mais moi j'ai fait un an d'école de dessin. Ah ouais? Ouais, t'es à boule. Mais vous savez qu'ils vous auraient tous buté? Spark Dice, il a fait art appliqué. Alors moi je vous adore, mais vous enlevez vos chaussures et vous lavez vos mains, bande de rats. Alors, moi, par contre, tu sais qu'on dirait vraiment une prof d'art plastique un peu loufoque. Ouais. Salut les enfants, comment ça va? Alors aujourd'hui, peinture, on s'éclate et on s'exprime artistiquement. C'est la même chose. Je te donne 20 sur 20, bah, tu sais le mec qui fait une grosse crotte, je te donne 20 sur 20, j'ai ressenti de l'émotion dans ta peinture, mon petit Kevin. T'es un peu... oh, je m'en suis foutu partout, être comme ça. Ta prof d'espagnol. Ouais. Un peu les couleurs. Un peu. Hola chicas y chicos. C'est vrai que t'es très déséquale. Et voilà, regarde, elle allume la caméra parce que tu sais, je peux pas y arriver. Déjà on fait vite la peinture parce que après moi je menace. Hein. Tu vois. Eh, Maya, tu vas commencer par baisser 3 tons ma chérie. Hein. Deux châssis, trois châssis. Maya not doing anything to help. Mais non, mais Maya, faut que je le mette dedans. Ok, donc là, c'est quoi les règles? C'est on doit dessiner Léna. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est de la faire le plus réaliste ou la plus belle? Non, c'est tu fais tes peintures, tu t'exprimes comme tu veux. Tu vois, c'est elle qui note après. Ok, et. Il faut la peindre comme une de tes françaises. Mais elle est arabe. Et donc, c'est chacun pour sa grosse gueule alors. Chacun pour son énorme gueule. On a combien de temps? Bah quand vous voulez. Mets un chrono. On a 30 minutes. Ouais. Vas-y. Comme ça tu fais 10, 9. Et on fait comme dans Top Chef. Je mets un peignoir comme ça. Et tu l'enlèves comme rose. Mais il faut que je mette mon collier. Oui, faut que tu mettes un collier. Moi, le cœur de l'océan. But I thought the old lady dropped it into the ocean. Il faut que j'aille chercher mon collier cœur de l'océan. Tous ceux qui ont jamais vu le Titanic, vous êtes perdus. Mais en fait, il y a une scène où Leonardo DiCaprio peint rose. Et elle lui dit peins-moi comme une de tes françaises. Et genre elle est toute nue avec juste un collier. Regardez, j'ai des peignoirs personnalisés, c'est marqué Hôtel Mahfouf. Ça vient de chez Sansei, la maison du coton. Faut que je trouve le collier, je vais mettre mon collier Dior. C'est grave mon cœur de l'océan à moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Solène. Mais par contre Léna t'as pas le droit de regarder avant. Mais grave. Bah j'ai même pas encore commencé à poser. J'ai tout bien là, j'ai tout bien arrangé, y a pas un truc qui dépasse alors que eux leurs trucs sont sales. Moya. Ah j'adore. Fais des bras. And you got one arm, two arms. Un petit col roulé. Ah ouais. Un choker. Two, one, everything down, hands up. I'm gonna give this a 10 out of 10. Il y a pas d'équipe, c'est chacun pour sa gueule. Pourquoi t'as fait un ciel bleu? Tu vois un ciel bleu là. Mais c'est l'imagination. Et bah ouais. Jacques, peins-moi comme une de tes françaises. Mets-toi nu, Rose. Ça me choquera toujours autant de voir les seins d'une femme. Dans la bonne position s'il te plaît. Tu m'as fait des gros seins. Ouais. Cool. Quoi, tu n'es que ça. On peut donner des noms à nos peintures. Mais il faut bien évidemment la nommer. Je crois que j'adore la mienne. Hein. J'adore la mienne. Moi je crois que j'aime beaucoup la mienne. Oh. Et donc j'ai décidé d'appeler ma peinture une femme de deux temps. Voilà, et donc j'ai voulu jouer sur la dualité de la personne que tu es et la personne que les gens perçoivent. Et voici mon dessin. La nature de toi, c'est pour ça le verbe, la nature de toi. Et tu regardes le petit gars, ce qui est quand même un petit peu taché par cette flemme aussi. Voilà. Alors moi, mon tableau s'appelle Le moment où. La chanson qui? Elle improvise. Je trouve que ce n'est pas que le physique.
C'est ta joie de vivre. C'est ta joie of living. Aujourd'hui, j'ai envie que tu m'écoutes et que tu regardes. Parce que moi, oui. En fait, moi, j'ai fini super tôt parce que je suis grave une artiste. Du coup, bah, je me suis un peu ennuyée. C'est un mais Sven, tu mets la partie contre ton pull? Non, c'est à toi en plus. Ok, je te montre. Oh, merde. Oui. Attends. Je m'en fous, j'ai pas improvisé, j'ai vraiment voulu. Mais j'aime pas faire des trucs qui ont pas d'histoire. Ça. Elle travaille le jour et la nuit. Ça, j'ai bien aimé. Bah ouais, voilà. Vraiment... Allô, la police. Solène, elle a saboté mon dessin. Elle arrive. Dead Bay, stream Dead Bay. Regardez mes clips, écoutez mes chansons, streamez mes chansons. Et je vous aime. Je suis trop fière de moi. Genre, vraiment, je vous jure, j'ai toujours eu genre. Je me suis toujours grave fait bouillir.